Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et apparemment j'ai été tué par un Dilophosaurus de niveau 16 durant cette partie. Donc je ne sais pas ensuite ce que je peux faire, ce que je dois faire, etc. 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 Donc j'ai été tué durant que j'étais déconnecté. Ce qui commence à être assez gonflant à vrai dire. Je ne me rappelle plus où est-ce que je m'étais déconnecté, mais bon... Sur le principe, je trouve ça très très naze. Bah écoutez, on va faire exit ou main menu et moi je vous retrouve tout de suite. Je vais voir si ça débug ou je sais pas trop quoi. Re, chers amis, alors attendez. Apparemment, il y a un bug avec cette mise à jour. Donc stop. Stop spectating. Voilà. Wouh. Create new survivor. On va le rappeler Marcus, hein. Respawn existing survivor, ah bon. Random location, bah écoutez on y va. You are called. Oui je connais l'animation. Putain y'a un camion qui passe plus le moment où je tourne, mais d'être sérieux. What? Mais on y voit strictement que Pouic. Qu'est-ce qu'il me faut? Du bois, de la pierre et du flint. De la pierre? C'est difficile à trouver ça encore. Donc non, la pierre c'est bon. Donc pour la pioche, il me faut du wood et du thatch. Thatch, on en trouve. Donc bah écoutez, on va reprendre comme ça. Hein. Je suis désolé, chers amis, je comprends vraiment pas comment ce jeu commence à... Enfin, je trouve ça complètement... Non, c'est bon, il a une selle, je crois. Est-ce que je peux avoir un bout de bois, s'il vous plaît? Je peux pas avoir un bout de bois. J'ai cru qu'il y avait une bestiole dans le truc, moi. Est-ce que je peux avoir un bout de bois? Ah, ça y est. Ouh. Tant bien que mal. What? Un métal? Mais je veux pas de métal! Voilà, merci. Ah, puis j'entends des bestioles autour. D'accord, il a bien une selle. Oh, nom de Dieu. Où est-ce que j'ai apparu? Ok, bon, on va récupérer plus de bois. Ça sert à rien de rechercher notre maison cette fois-ci. Faudra juste réussir à en faire une assez rapidement. Allô? Allô? Tu veux rien donner, tant pis pour toi. Allez, il veut bien donner quelque chose. Hop. Parfait. Est-ce qu'on peut faire une hache? Yes. Allez, on va faire la maison le plus rapidement possible, chers amis, parce que là, on est dans la mouise, sinon. Je peux te faire une lance? Qu'est-ce que je peux pas? Qu'est-ce qui manque pour faire une lance? Des fibres et du flint. Bah écoutez les fibres, on va avoir peut-être ce qu'il faut. Hop, allez. J'ai chié mais c'est pas grave.
Ok. Tellement de pierres dans le coin. Moi, j'aurais préféré avoir des fibres là-dessus. Ah, mais non! On me dirait ça me permet de me faire un feu de camp rapidement. Il a bougé. Des fibres, yes! Bon, parfait. De toute façon, j'ai pas besoin de grand chose. Non, c'est pas ça que je veux faire. I. Craftable. Voilà. On va se faire une pièce, mais une. Ni plus ni moins. Et ça va nous suffire, chers amis. Ça va nous suffire. Il n'y a plus un seul arbre de ce côté-là. Ah si, il y en a quelques-uns, mais voilà quoi. Enfin, vous me comprenez. C'est des trucs en bois. Parce que franchement, je me tâte. Hein. Je peux pas. Putain. Si, je peux le démolir un par un, mais c'est ça m'est... C'est pas ce que je veux. Oh là là! C'est stupide! C'est stupide, en plus j'ai l'impression d'être arrivé dans une réserve encore. Je vais me mettre de l'autre côté de la flotte, ça va être fait. Putain, mais le mec il fait de ses portes. Ok, il sait pas nager en plus le personnage. C'est cool. Et il sait nager que la brasse et pas le crawl. Mais c'est encore plus cool. Bon, on va essayer de se dépêcher quand même. Tant pis, si on doit faire qu'une pièce, on rajoutera en fait, on fera deux portes. Deux trucs de pièces. Et puis on fera, ça fera une petite entrée pour une maison plus balèze. Mais apparemment, ouais, une maison comme ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est trop près des murs. Enfin, je pense qu'on s'est déconnecté en dehors des murs. Mais en tout cas, c'est dégueulasse, quoi. Mais t'es sérieux? Putain, mais j'ai la tête hors de l'eau! Le mec il a manqué de crever alors qu'il avait aucun problème pour nager. Mais bon, c'est pas grave. Ah oh putain, je suis fatigué. Allez, régène, 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 régène. En plus, c'est une petite nature le machin, quoi. Hop. Récupérons des thatchs. Alors attendez, parce qu'on en a une là. On va la mettre là. Ok, parfait. Fait. Il me faudrait deux murs et pour les deux murs, il me faudrait plus de fibres. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut autour de moi. Normalement. Seul détail, c'est que si on peut mourir, est-ce qu'on, si on peut mourir de faim,
Pendant qu'on est offline, faut me le dire, chers amis. Parce que franchement, là, ça va pas être drôle. Mais genre pas du tout. Franchement, si c'est le cas, ça va vraiment pas être drôle. Flint. Bah attendez, je vais en prendre. Hop, flint x1. Stone x2. Flint x2. J'ai vu un dodo. Alors on m'a dit que si je faisais avec ça. Ah bah non, apparemment c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. On reviendra là-dessus une autre fois. Fibre d'abord. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir de bestioles trop dangereuses dans le coin. Et on va aussi penser à mettre nos deux trucs. Alors vous allez comprendre pourquoi j'en ai mis deux. Alors, et... Maintenant les portes. Cette touche là, cette touche là. Hop. Pour ce qui est des fibres maintenant, est-ce qu'on a assez pour faire deux portes? Enfin deux murs. Parfait. Donc voilà, on retente encore de rejoindre le même bout qu'on avait fait la dernière fois, ce qui est un peu pathétique à force. Et si j'apprends qu'on peut mourir... qu'on peut mourir bêtement de faim... durant le offline... je pense que je vais mettre fin à la série, hein, malheureusement. Je peux pas tourner tous les jours de tous les jeux. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Encore moins un jeu qui est online en plus. Parce que bon. Encore, comme vous voyez, cet épisode, vous avez beaucoup d'avance. Il y a plus d'une semaine d'avance là actuellement. Parce que je vais avoir une semaine assez chargée au niveau. Donc je vais pas pouvoir tourner du tout de la semaine. Sauf peut-être un épisode, on verra bien. Donc du coup, voilà, ça va faire beaucoup de choses d'un seul coup. Et pour moi, j'aurais juste à mettre les épisodes à mettre en ligne. Voilà. Voilà, donc un peu tout ça. Au niveau donc de ça, d'accord, il m'en faut beaucoup. Il va falloir plus de fibres aussi. Il va falloir trouver une quantité de fibres assez incroyable. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Bon, c'est l'arbre qui bouge, c'est pas grave en soi. Donc. Un petit peu de bois, on a un tout petit peu de viande, on va la mettre. Hop. Hop, ça c'est fait. On a celle-là aussi. Lightfire. Donc. Hop. On va voir si ça peut nous faire remonter un petit peu la bouffe. Parfait. Pull out fire.
Au niveau de ça, on va le mettre là. En cas de nécessité absolue. On peut pas passer par-dessus le feu. Je l'ai si bien placé que ça, c'est cool. Voilà, merci. Alors, des fibres. Tout ce dont on a besoin. Ok. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien, sinon. Ah, j'ai plein de points d'engramme à appliquer. C'est cool. Ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ça il m'en faudrait. Ça. Et peut-être un petit peu de fringues aussi. Mais bon, les fringues, on verrait qu'on va pas pouvoir les mettre tout de suite, de toute manière. J'aurais peut-être dû prendre un coffre aussi, tout simplement. Oh, je vois qu'il y a plus gros que moi à côté. Hop! En espérant que ça repousse. Parce que sinon je suis baisé. Y'a un oiseau là-bas, enfin un truc qui vole. Ah, j'ai oublié le toit aussi, tiens. Marrant. Oh putain, ma bouse. Bon bah je la ramasse. Hop. Donc. Qu'est-ce qu'on est capable de faire actuellement? Il va me manquer du bois aussi, forcément. Au niveau du sol. Le sol. Il me faut du bois et du thatch. Le bois, je sais qu'il est dans le feu, chers amis, ne vous inquiétez pas. Simplement, si je peux garder une réserve pour le feu, une réserve pour moi. De thatch. Hop. Voilà, bon, déjà ça de prix. Hop. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, je peux même pas, j'ai pas assez de fibres pour faire 3 sols. Ok, comme ça, c'est pas grave hein. De toute façon, je vais me remettre dans mon. Dans ma cabane hein. Puis on verra bien si je me fais attaquer pendant que je dors hein. Et après, dans ce cas-là, ce sera à vous de venir m'aider si possible, j'imagine. Je verrai si je dois trouver l'un d'entre vous pour m'aider. Putain, non, mais c'est un son qui venait de mon truc. Ok. Donc là, on est bon, chers amis. Bah écoutez, moi, je vais fermer la porte. Et j'ai plus qu'à prier pour que tout ça se passe bien. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos astuces, parce que moi si je dois redémarrer tous les 2-3 épisodes, ça va pas le faire. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, je suis un peu déçu. J'avoue que je suis un peu déçu.